TF1 a décidé de miser encore plus sur le succès de Demain nous appartient. Lancée en juillet 2017, la série portée par Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur remplit largement les objectifs que la chaîne s'était fixés. Les scores sur les 4 ans et plus comme ceux sur les cibles prioritaires sont en nette hausse par rapport à ceux réalisés par The All Money Drop. Selon les informations du Figaro, alors qu'un nouveau prime est en préparation pour la fin de saison, TF1 peaufine dans le plus grand secret la production d'un spin-off, qui sera diffusé en avant-soirée. En effet, si jusqu'à maintenant, la série Demain nous appartient est diffusée du lundi au vendredi à 19h20 juste après 4 mariages pour une lune de miel et Bienvenue chez nous, la donne pourrait changer à la rentrée. C'est Marc, lancé par TF1 il y a bientôt 10 ans, souffre d'une érosion d'audience conséquente. Comme l'a indiqué Pure Média ce lundi 25 novembre, la marque Bienvenue, qui compte plusieurs déclinaisons parmi lesquelles Bienvenue au camping, Bienvenue à la ferme et Bienvenue en famille, est en danger. Produite par l'animateur Christophe de Chavannes, elle pourrait ne pas être renouvelée à la rentrée prochaine. Des acteurs de Demain nous appartient seront présents pour l'heure, le Figaro précise qu'aucune date de tournage et de diffusion a été actée. La série dérivée pourrait naître dès cet été, comme Demain nous appartient 3 ans plus tôt, ou en plein carrefour de rentrée. La production sera toujours confiée à Newen, déjà à la recherche de la série phare de TF1, mais aussi de Plus belle la vie sur France 3. Si l'histoire de ce spin-off sera inédite, le casting, lui, sera rattaché à celui de DNA. Certains comédiens jouant actuellement dans la saga, ou ayant déjà joué, seront de la partie, à l'image d'Amour, Gloire et Beauté des Feux de l'Amour. Interrogé sur cette nouvelle marque, TF1 se veut prudente, nous avons lancé un développement, mais rien n'est encore acté pour le moment. The